Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la petite présentation du magnifique tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson qui est paru aux éditions Arcana Sacra. Découvrez un monde entre les mondes, à la fois étrange et familier, le tarot de l'entremonde nous plonge dans cet espace intermédiaire entre le mythe et la réalité, entre l'humain et l'animal. Née de la main de la célèbre artiste peintre Ciolo Thompson, créatrice du Liner Strider Tarot et de l'Oracle des Simples, ce tarot se compose des 78 arcanes traditionnels suivant le système du Rider-Waite-Smith. Le livre qui accompagne ce jeu unique offre des explications sur chaque carte, ainsi que de nouvelles analogies sur les plantes, les planètes et le règne animal. Passionné, l'auteur y partage ses connaissances qui raviront tant les novices que les plus érudits. Osez passer de l'autre côté du miroir et ouvrir les portes de l'entremonde. Votre voyage initiatique commence. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 250 pages et une boîte cloche. Ce qu'on voit ici. Et il est au prix de 32 €. Comme d'habitude, la boîte, elle est magnifique. J'aime bien les petites arabesques sur les côtés. Là. Là. C'est parfait pour les ranger dans une bibliothèque, on dirait des livres. Moi, j'aime bien. J'adore. Voilà. Alors, ça s'ouvre toujours comme une boîte cloche. Toujours aimanté. On a toujours de magnifiques illustrations. Le livre. Et alors, on a toujours ce petit, ici un ruban bleu pour sortir la boîte. J'aime bien la couleur bleue. Voilà, on va mettre... Et là, il y a toujours des petites illustrations. C'est vraiment toujours des coffrets bien soignés, bien durs. Et ce hibou, il est magnifique. Voilà, ben, on va commencer avec le livre. Je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, j'adore les couleurs. C'est sur du papier glacé. Ici, on a Ciolo Thompson. Le sommaire, vous voyez, il est long le sommaire, j'aime bien, une introduction, le chapitre 1, lire les cartes, se servir de significateur, exaltation des as, le tour l'emporte surtout, lecture des cartes inversées, tirer les cartes, alors des tirages, un tirage à 3 cartes et un tirage à 5 cartes. Puis le chapitre 2, c'est sur les arcanes majeures. On retrouve l'illustration ici, toujours avec ses détails, les arabesques, c'est magnifique. En couleur, avec son numéro, le fou, quelques mots-clés. On vous explique ce qu'est le fou, ce que ça concerne dans un tirage. Et alors, il y a aussi toujours l'inversé. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Je vais vous montrer une mineure. Voilà, la carte, les mots-clés. Et la signification en droit est inversée. Et à la fin, une petite conclusion. J'adore la petite grenouille. Et voilà, magnifique livre. Alors, la belle boîte. La boîte dans la boîte, j'adore. Ça permet d'avoir une petite boîte plus facile à emporter partout. Et les cartes sont bien à l'abri. Magnifique aussi. Youp ! Quand on l'ouvre, on a encore... ce magnifique dessin, passer d'un monde à l'autre, magnifique. Toujours ce magnifique ruban bleu pour enlever les cartes. Et on retrouve ce petit lapin avec le tournesol dans la boîte. J'adore. Voilà, alors, je vais vous rapprocher le dos des cartes, voilà. Alors, il permet l'endroit et l'envers de faire des tirages inversés, comme vous voyez. Les tranches sont neutres. Et la qualité des cartes, comme d'habitude, chez Arcana Sacra, elles sont super, hyper, vraiment parfaites, quoi. Allez, c'est parti pour voir les cartes. Le fou. J'adore ce style épuré sur un fond blanc. Magnifique. Le magicien. La grande prêtresse qui sert son homard ou son écrevisse. L'impératrice, magnifique. Avec sa tête d'ours et son bébé ours. Elle représente bien la mère, la maman.
L'empereur, magnifique, on dirait un lord écossais avec son kilt, il impose, on voit qu'il est sûr de lui, il est magnifique. L'hiérophante qui est sur la boîte, ce magnifique hibou. Les amoureux avec ses petites grenouilles, j'aime bien. Le chariot. Ce sont des magnifiques peintures, vraiment. La force, magnifique. L'ermite. La roue de fortune avec ses petits oiseaux. Trop mignonne. La justice. Le pendu. On voit bien, il a l'air résigné là. On voit, il attend, il n'a pas le choix, quoi. Ah, la mort, elle est magnifique. Avec cette touche de vert, la oiseau et la fleur. Magnifique. J'adore. La tempérance. Le diable. La tour. C'est vraiment un magnifique tarot, vraiment. L'étoile. Avec des animaux avec des corps humains, la lune magnifique, avec ce chien, ce loup bleu, l'écrevisse. Les touches de couleurs sont bien choisies, je trouve, et ça ressort, c'est super beau. Le soleil qui est dans la petite boîte, avec le tournesol, le jugement, avec sa corne, magnifique, et le monde avec ce lièvre, sublime. Alors, on va partir dans la suite des coupes magnifiques. L'as de coupe. Avec les poissons. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4 avec cette pieuvre sublime. Le 5 avec cette femme avec une tête de poisson. Le 6. Le 7, de nouveau avec cette pieuvre. Avec le serpent là, sa feuille, ça ressort le vert et sa bague. Le 8, sublime. Le 9, avec cet ours, avec son pot de miel. On dirait qu'il a envie d'elle. Il est fâché parce que les abeilles lui tournent autour. Il protège son miel. J'adore. Le 10, avec ses magnifiques hippocampes. Petit cheval des mers. Le valet. Le cavalier qui chevauche son hippocampe, c'est magnifique. La reine, sublime. Et le roi, magnifique. On va passer à la suite des bâtons avec l'as. Magnifique, avec le petit qui a un petit chapeau. Le 2 avec cette grenouille. Sur le globe. Le 3 de bâton. Je dirais plutôt un varan. Avec. Ou un iguane. Le 4 avec cette grenouille. Sublime. Cette touche de rouge. C'est super beau. Le 5 de bâton. Avec ces grenouilles qui partent. À la bataille. Avec leurs épées. Le bouclier. J'adore. Le 6 de bâton avec le caméléon, avec sa couronne de laurier. Trop beau. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet avec l'ampoule. Eureka, j'ai une idée. Le cavalier, ce renard, la reine et le roi avec ce magnifique tigre. Les épées avec ce magnifique coq qui chante. Le 2 avec cette autruche qui a eu peur et qui a planté sa tête dans la terre. Le 3
Au lieu du cœur brisé, on a l'oiseau transpercé par les trois flèches. Le 4 d'épée. Avec cet hibou. Cette chouette, je ne sais pas. Le 5 d'épée avec le coq. J'adore les l'oranger ici, c'est super beau. Le 6 d'épée avec ces deux petits qui se serrent dans les bras. Trop beau. Et on voit là, ça brûle. Ils ont l'air de s'échapper de quelque chose qui n'était pas très chouette. Le 7 d'épée avec ce toucan. Le 8 d'épée, là, le rouge ressort sur cette carte avec le bandeau et... Et les petites baies, là, c'est terrible. Magnifique. Le 9 avec ce petit rat. Magnifique. J'adore les rats. Le 10. Avec ce pauvre paon qui s'est fait blesser de toutes parts par les flèches. Le valet. Petit oiseau en costume. Le cavalier. Magnifique reine d'épée. Et le roi d'épée avec ce beau pélican. Pour finir, les deniers avec l'as. Oui, les pentacles plutôt. Avec l'as. Le 2 avec ce petit lémurien, avec ses petits yeux là, globuleux. Trop mignon. Le 3 avec les abeilles, leur ruche. Magnifique. Le 4, un singe je dirais. Le 5 avec cette petite souris, avec ses blessures. Ouais, même des petits rapiossages à son pantalon, des boutons différents. Ouais, on dirait elle a la tasse pour faire la manche. Le 6 avec ses petites souris, avec le blé. Magnifique. Le 7 de pentacle avec ses iris. Sublime. Le 8, le 9, le 10, magnifique. Le valet avec ce lapin, avec sa collerette, peut penser un peu au lapin d'Alice. Magnifique. Le cavalier qui chevauche la tortue, magnifique aussi, j'adore. Et la reine et le roi, je les aime beaucoup avec ces deux lapins. Ils sont sublimes. Magnifique, la reine de pentacle est trop belle. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est vraiment un jeu d'une qualité incroyable, comme on est habitué chez Arcana Sacra. Ninon nous fait toujours des merveilles. Le coffret, tous les peintures, tout est magnifique. Voilà, ben, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt.